Il y a le comte DA. Lui il tue par contre, hein, je te le dis. Allez, attends, attends, regarde ce qu'il veut, c'est grand mort. Tu vas le semer, il est en moto. Non, non. C'est la échelle, collègue. Attends, il est tombé dans le coma. C'est la échelle, collègue. Ça va bien? Le coma, il est coma. T'as pas la phalange cassée? Oh, tu t'es détruit, lui. L'utérus, tu te l'es cassé. Je sais pas si ça existe, mais. Oh, tout ce que j'ai. Oh, wow, monte, monte! Accélère. Attends, mais tu vas laisser son collègue au sol, tu calmes nous. La voiture, allez, vas-y. Toi, chiffonne, allez, accélère. Vite, vite, vite. La voiture, on t'a dit. Frédéric, baisse cette arme, s'il te plaît. La... Je vais lui réveiller un peu les coups, là, tiens. Pitchine-le, voilà. Voilà, piétine-le, voilà, piétine-le. Tombe par terre, Frédéric. T'as pas ou quoi? Tu me fais ça en ma concession? Je te prends en stage, je te paye comme il faut. Et tu me remercies comme ça, Frédéric? Mais ça va pas, t'as tourné de la tête. C'est qui t'a envoyé ici? Frédéric, ça t'a pris en photo. Frédéric, ça t'a pris en photo en train de braquer. Chier. Allez, va porter plainte, monsieur. Tu m'entends le sang? Frédéric! Malade, celui-là, grand voyou, va. Il t'a pris en photo en train de braquer le patron, donc il va le porter. Bonsoir tout le monde. Pardon patron. Mais sur celui-là, sur le input, je bug. J'ai eu de la chance. T'es en retard, hijo de puta. Quoi? Bonjour Emilio. Allez, viens rapido. C'est carré que je t'ai appelé, putain, c'est t'appeler pour donner le rendez-vous, mais vas-y. Comme ça, ok. Ça va être trop tard. Prends la voiture, viens voiture. Attends. C'est un malade, Emilio. C'est un malade, wesh. Allô? Oh, Emilio, moi, je suis un fils de pute, hein. Moi, c'est Frédéric, je suis pas un gamin. Maintenant, vous voulez faire les voyous avec moi? Mike et tout, ils m'ont frappé au conseil. T'es un malade. Alors que moi, je suis un grand voyou. C'est moi, je vous ai volé l'argent du braquage. C'est moi, j'ai payé ton copain là. Ton copain Carlos là, c'est moi qui l'ai payé pour qu'il vole. C'est moi qui a l'argent. Vous verrez jamais. C'est moi le vrai voyou. Vous êtes nul, t'es nul. T'es un voyou, t'es méchant. Il a 38 ans. Je suis plus fort que vous tous. C'est moi le plus fort. Maintenant, l'argent, je le garde et vous allez tous vous faire foutre. C'est moi. J'ai tout fait tout seul. Vous êtes des nuls. Bande de méchants. Il a 38 ans, Loli. Vous êtes frappé, vous êtes trop méchant. Loli, il a 38 ans, une entreprise, deux enfants. Il a payé un mec pour nous voler de l'argent. En gros, il faut attraper Frédéric coûte que coûte. Tu te souviens, la dernière fois quand tu as volé les dineros, c'est Frédéric qui a payé ce hijo de puta. Fils de pute. Je l'ai pensé hier, je l'ai tué, il a pas voulu cracher le morceau. Il a pas voulu pouka Frédéric. Mais attends, mais Frédéric, c'est qui Frédéric? C'est rien, c'est pas pourquoi il a pas voulu. Mais moi je pensais que c'était un petit rigolo. En fait, il contrôle vraiment des cartels là ou quoi? C'est juste qu'il a de l'argent, Frédéric. Oui, c'est pour ça qu'il contrôle pas mal de choses. Quand t'as l'argent, tu contrôles tout. Frédéric, vous voyez qui c'est? Je vais me faire agresser par lui. Si vous le trouvez, vous pouvez me le ramener s'il vous plaît? 4. Merci les collègues. Ah! Alors d'avoir un flic dans la bande, c'est bien ou c'est pas bien? Je sais pas, je vais y réfléchir. Tu réfléchis? Bon bah ouais. Réfléchis plutôt bien, hein, parce que ouais. Imagine qu'un salopard qui la prend, ah bah là je me la mets bâton. Ouais, faudrait pas que ce soit un de tes ennemis qui ait la M4 quoi. Oh bah non, surtout pas, attends, j'ai envie de te dire. En plus, il y a beaucoup de bandits dans la ville. Ah oui. Donc là, à ce moment-là, oui, j'ai envie de te dire, moi il me faut quelque chose. Et ça, c'est du lourd. Et si c'est du lourd, eh ben c'est lourd. Ah, et oui. Donc à ce moment-là, voilà. Bon, et toi, ça va la patrouille? Ça se passe? Par contre, Kuruma noir comme ça, c'est vraiment pas le genre de véhicule super discret, hein. C'est ce que j'ai pensé tout à l'heure. On va se faire contrôler et je vais aller en prison et je vais perdre mon travail. Mais le problème, c'est qu'Emilio, il donne pas le choix sur ces choses-là. Ouais, mais est-ce qu'on peut pas swap? Des menaces, tu m'as dit non. Ah, aujourd'hui, je me lève, ils m'ont frappé au conseil, vous allez voir, moi. J'ai payé des tueurs. Attends, calme-toi. Qui t'a frappé? Oh, Frédéric. Allô, Frédéric. Tu vas voir, j'ai payé des tueurs à gages, tu vas voir. Attends, attends, calme-toi, je comprends rien à ce que tu racontes. Qu'est-ce qui se passe? Qui t'a frappé? Mike, au concess, avec Abdel.
Eh hey, Frédéric, moi je te mets des petits coups de pression parce que toi tu fais des bêtises, mais moi je m'en fous hein de vos histoires, je suis pas dans, je sais très bien. Hier tu m'as fait la misère. Mais tu... oui mais attends, Frédéric, je t'ai fait la misère pourquoi? Parce que tu t'es caché dans mon coffre. Sinon je te fais pas la misère gratuitement. Rappelle-toi bien, moi je suis pas ton ennemi Frédéric. Donc calme-toi et explique-moi la situation. Non, c'était sur le putain. Ok. Yeah, bon bah apparemment il y a des tueurs à gages sur nous. Hein? Bah je viens de voir Frédéric, apparemment il est vraiment énervé, il y a des tueurs à gages sur nous là. Mais ça va, mais attends, je l'appelle tout de suite là. Oh, c'est pas un enfant de 17 ans qui va m'avoir. Ouais, hein. Il a engagé des tueurs à gages apparemment. Oui Frédéric. Allô. Faut la pâter. Oui, la pâter, comment tu vas raison, mon grand? Fils de pute. T'es un fils de pute. Mais... en plus tu m'appelles fils de pute, tu vas voir. Le tueur à gages il va te tuer. J'ai payé des tueurs à gages, ils vont te tuer. Mais tu comment vas ça voir, mais Frédéric, des tueurs à gages. Tu vas mourir, mais j'ai rien fait Frédéric. Tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. Tout l'argent du braquage il va aller pour les tueurs à gages, ils vont vous tuer. Mais t'es complètement fou. Tu vous faites ça, vous frappez mais, à moi, mais, tiens, vous t'es plus mon copain. Mais, ciao. Mais pourquoi je suis plus ton copain Frédéric, calme-toi, mais t'es où voyou? Ah bah du coup je suis un fils de pute. Attends, c'est osé quand même de Frédéric. Frédéric c'est un riche, donc il doit habiter vers les quartiers riches déjà. Après ah oui, c'est, pas bête, c'est ma seule piste, franchement. Ah. Elle est pas très large niveau piste, bon ouais, c'est pas là... grave, laisse-moi réfléchir, j'ai toujours des bonnes idées. Vas-y réfléchis. Alors attends, il faut quelques temps, touche pas, ça télécharge là. Bon, c'est pas grave. Par contre, j'espère vraiment que le tueur à gage c'est pas Kyrios ou des trucs comme ça. Le tueur que... à gage, tout de même, Frédéric. Parce que si c'est Kyrios le tueur à gage, frère, lui c'est un tué à gage, c'est pas un tueur à gage. Qui se rappelle quand il avait un véhicule blindé là, il était juste là. Ils avaient des véhicules blindés avec hélicoptère de mèche, je les ai AV9. Attends, écoute, Frédéric. Faut que je t'avoue un truc. Non, dis-lui que tu m'as trouvé. Tu m'écoutes Frédéric? Ouais, dis-moi. Écoute, tu vois, moi je suis un flic. Et je fais semblant d'être allié avec eux alors qu'en vrai je suis allié avec la police. Donc viens, on se donne de la force et comme ça on les chope ce soir. Ok, moi je suis président des États-Unis d'Amérique et je me sens besoin d'être petit. Tiens, arrête de me casser maintenant. Là, moi je suis un vrai voyou. Moi je tire 97. Toi t'as pas tiré, c'est moi qui a tiré. Pourquoi toi t'as pas tiré? Est-ce que t'es pas un voyou? C'est moi le plus fort. Eh ben va te faire enculer Frédéric, c'est bon ou pas? Je vais putain, te baiser de ta mère connard, c'est bon, va te faire enculer, va te faire enculer, c'est bon. Et ouais, il casse les couilles. Il t'a dit quoi? Tu l'as un petit peu insulté quand même. Sors du véhicule, dépêche-toi. Soulax, mais t'es pas en service Soulax. Je suis en service. Ok. Ok. Mettez-vous ce côté. Là, contre le mur, dépêchez-vous. Tranquille, c'est bon. Ah putain, c'est la merde. Pourquoi vous êtes pas juste arrêté, wesh. Ouais. Mais y'a eu quoi, wesh? Ouais, Je suis mort, c'est bon, je prends okay, perpète. Attends. La vie de ma mère, je prends perpète, c'est bon. Non, attends. Attends, parce que apparemment y'a un collègue qui se fait tirer dessus. Pas de tes capacités, de ce qui peut se passer. Ok. Circule, s'il te plaît. Pas tes capacités, on sait jamais s'il y a du monde qui arrive sur l'accident. Circule, vas-y. Prends-en un et mets-le dans la cour au moins nord, s'il te plaît. Ouais. Ah putain. Soulax, mets-le ici. Non, je m'en occupe, je suis sur l'enquête. Quelle enquête? C'est secret. Bah, je suis de la DOA. Hein. Ouais, ben toi, t'es de la DOA, moi, je suis de ma brigade à moi et c'est mon enquête. Vas-y, monte, Soulax. C'est bon, merci. Tu t'en sors sur l'axe? Ouais, c'est bon. Okay. Putain. Moi, vous mettez dans la merde là. Sur eux, là, je suis en infiltration avec eux. Mm-hmm. Et le truc, c'est que là, ils allaient faire un. Ils étaient en train de préparer un truc ce soir là. Mm-hmm. Mais ils se sont fait arrêter. Là, ils m'entendent pas. Hein. J'ai besoin d'une carte. Une carte Joker là pour les libérer. Si pour qu'ils demandent qu'il faut qu'on lui. C'est lesquels qui ont été arrêtés? Je saurais pas vous dire. Je sais que là, j'ai dans la voiture. Juste. Je les libère, comme ça je les laisse faire leurs bêtises et après on les chope plus tard, ok? Viens devant le comico, j'arrive. Je suis avec eux là. Comment ça t'es avec eux? Ben ils sont dans ma voiture quoi. Et bah voilà. Bah ils sont pas en tôle. Non, ils sont pas en tôle. Bah alors tu me demandes quoi là? Je vous demande est-ce que je peux les laisser partir? Bah s'ils sont pas...
T'es avec des mecs du MS13, tu me suis juste. Non mais parce que y a mes collègues qui m'ont vu l'arrêter, donc c'est pour ça si jamais on vous demande, vous dites oui je suis au courant, on est sur une enquête. En rapport avec l'autre qui avait un Uzi qui m'a pointé en moto. Ouais c'est ça. Vas-y montez dans la voiture. C'est ça le truc en fait. C'est que là ça me met dans la merde. Vous savez que genre s'il s'arrête pour de ça, y a pas de galère hein. Juste s'il s'arrête. Du coup ça reste. Je l'ai garé sur un toit. Hein? Je vois qu'on en a besoin, je remonte à l'échelle, je vais le chercher. J'entends Max là. Je balade dehors, bas les couilles de tes remords. Au coup de sifflet, le regret frappe à ta porte. Tu t'es mis dans la merde et t'as plus de cartes en main. Mais comment tu vas faire, comment rester serein, les decks, tourne ou checkar. Et comme d'un baveur policière, tu sais plus quoi faire. Tu t'es mise dans la pire des galères, appareil photo, portrait d'identité, boy. Je crois que ça va te mettre dans la merde.